Pourquoi vous souriez, Abbas? Quand ton portable est déchargé, il y a bénéfice. Quand ton cœur est déchargé de tout ce qui est... Est-ce qu'on peut décharger son cœur? Bah oui. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas décharger son cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses qu'on peut, qui se passent dans ce pays-là. Si on veut tout voir, là, on ne peut pas décharger. Ton cœur n'est qu'à rester même chose comme ça. Pourquoi pas? Margot, ça va? On dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, summa salat wa salim wa alhamdulillah rabbin alamin. Malaikum salam. C'est tout ce qu'il y a. Toi, tu es tout ce qu'il y a. Et puis moi, je reprends comment? Malaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tu reprends aussi. Ah oui, malaikum salam, plus tout ce que tu as dit. D'accord. Ça va bien. Bonne fête, Abbas. Amin. Sommet, sommet. Amin. Allah sourate. En tout cas, Allah sachaya. On a tout fait tu pendant tu un mois. Il faut dire Amina. Non, mais quand tu dis ça avec la sincérité, oui. L'amine même est reçue depuis là-haut. Les anges, mais quand l'amine se fait d'une façon abstraite, tu vois, c'est... Chacun se rattrape. Alors, qu'est-ce que tu retiens du jeûne de cette année? Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup... ce mois de jeûne, c'est un mois de partage, un mois d'abstinence et un mois de conviction. Parce que n'est pas musulman qui le veut. Il faut être musulman dans l'être, dans la façon de faire, dans la façon d'être. Et ça, c'est important, parce que être musulman aujourd'hui, c'est quand même une sociologie antipocile. Il a gâté. Donc, c'est pas facile. Je vous laisse décider si ça veut dire quoi, hypokil, là, ça veut dire quoi veut... Définition, s'il vous plaît. Non, il faut être musulman pour comprendre ça. Mm-hmm. Parce que quand on appelle à prière, « Allahu Akbar !» Seuls ceux qui sont musulmans connaissent les potentiels. C'est comme quand tu passes dans un coin et puis on chante l'hymne national du pays. Tu dois t'arrêter. Mm-hmm. Et donc, quand tu entends l'appel de la prière, la première chose, tu dois t'arrêter aussi. Mm-hmm. Même si tu es au volant de ta voiture, tu dois garer, même s'il n'y a pas feu rouge. D'accord. Et après, vous avez dit, les gens font embouteillage. D'accord. On pourra aujourd'hui du jeter décalé. Qu'est-ce qu'on a, Amas? Nessim Makou, franchement, je voulais demander si les vigiles... Les vigiles, ils n'ont pas salé. Les vigiles, les agents de sécurité? Voilà, c'est agents de sécurité. Mmh. Ils sont même chose que les policiers. Non. Ce sont des agents de sécurité. Et ils sécurisent quoi? Magasin. Non, des bâtiments, ils sont commis à certaines tâches précises. Mais ils énervent. Comment ça? Ils énervent maintenant parce qu'ils ont déjà salé. Ce qu'on leur donne, là, c'est pour boire sinon. Mmh. Quand tu es trop content, ce que tu donnes, c'est pour boire. Mmh. Pour boire, là, c'est pas dans maquis, c'est pas dans le restaurant seulement. On peut donner pour boire aussi une sortie de magasin. Mmh. On donne pouvoir. C'est vigile, il suit ton magasin, que tu sors, tu peux lui donner pouvoir. C'est vrai, maintenant c'est devenu pratiquement une obligation. Mais ce qui énerve même, c'est qu'ils demandent tellement qu'ils ne savent même pas dans quel endroit ils sont. Tu vas à l'hôpital déposer un malade, quand tu sors, ils te demandent, ah, bébé, t'as rien donné. Et ce qui m'énerve, c'est une fois, on n'est pas déposé quelqu'un à la mort, on sortait et puis lui nous demande, bébé, tes enfants sont là. Il dit, mais mes enfants font quoi devant la morgue là? Et non, comme nous, on voulait boire de l'eau, il dit, mais tu vois, où on est rentré, c'est ces banques. Mmh. Moi, si c'est banque, on dit qu'il faut faire retrait. Mais à la morgue, encore, on doit payer pour sortir. C'est pas bien, les vigiles, ils exagèrent un peu. Ils demandent l'argent à tout moment. Tu connais même pas qu'elles sont. Parfois, on t'envoie même pas aller chercher l'argent. Mmh. Beaucoup d'argent, quoi. Tu n'as même pas 5 francs de temps. Mmh. Et puis, eux, ils veulent prendre quelque chose. Quand tu dois pas avoir du réel, là, il est trop mauvais. C'est exagéré un peu, franchement. Ils n'ont qu'à comprendre que quand tu veux donner, ça vient de toi-même. Mais quand tu forces là. C'est exagéré, et puis Mme Inaou Zappé va dire, c'est pas juste, c'est exagéré un peu, ça veut dire quoi? C'est exagéré, c'est pas exagéré? Non, c'est exagéré. C'est exagéré? Non, un peu, parce que quand tu es trop exagéré, tu peux gifler ça même. Donc, un peu, ça veut dire, ça te met en boule, mais tu es obligé de faire avec. Donc, c'est ce qu'on appelle c'est exagéré. C'est vrai qu'ils exagèrent assez quand même. Ah, t'as mis assez. Vous avez parfaitement raison. On sait, tout le monde a des problèmes. Même les milliardaires ont des problèmes. Mais bien sûr. Demander l'argent à tout va comme ça. Et puis, moi, ce qui ne me plaît pas souvent, quand vous ne donnez pas, ils s'énervent et on vous insulte même. Bien sûr. Comme si la prochaine fois, si vous venez même. Ils nous ouvrent même à la porte. Oui. Moi, il y a un vigile gros plateau là. Comme si vraiment c'était une tontine. Moi, je comprends pas. Mais par contre, ce n'est pas tous les vigiles qui sont comme ça. Ils sont même pas même. Non. Par exemple, les vigiles de la RTI sont cool. Ils sont vraiment cool. Ils sont cool. C'est la même chose. Là. Non, ils sont j'ai dit de la RTI. Lui-même, il a appelé ses parents au village. Et puis, ils sont assis là. Quand ils viennent, ils ne pas dit que lui, il raconte n'importe quoi, mesdames et messieurs. Les vigiles de la RTI sont professionnels. Très professionnels. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont professionnels. Et ils les aiment bien. Quelqu'un qui n'est pas parfait.
dès 5h du matin, les invités qui viennent sont bien reçus, tout ça, même nous-mêmes. Non, mais sérieusement, non, sérieusement. Ils n'ont pas le choix parce que c'est un endroit très, très important, stratégique. Donc, en tout cas, ils sont bien. On salue tous ceux qui travaillent, qui font ce... Et puis, voilà, quoi. Donc, il y a des caméras partout. Donc voilà, on a dit à nos vigiles, là, franchement, respectez votre métier, on va vous respecter. Virgile, vigile. C'est la même chose. Virgile, c'est un prénom. Les anciens, c'est un souffre-ourne. Il y a un Virgile qui a demandé ça à son patron. Lui, on l'a mis. Agent, agent. Donc, ils ont mis un agent de sécurité. Des agents de sécurité. C'est un boss, là. Matin, le boss est levé, il doit aller en voyage. Depuis, lui, le boss, ah, le boss, aujourd'hui, il ne faut pas prendre l'avion. Il dit pourquoi? Il dit non, non, il ne faut pas prendre l'avion. C'est pas pour qu'il y aura un accident. Le boss, il me compte être ça. Il dit non, j'ai fait un rêve sur toi. Il dit, hein. Moi, ils te paient pour venir me suivre ma maison. Toi, tu dors quand tu fais un rêve. Ils l'ont viré. Oh. Mais oui. Souffre-vous, ça veut dire quoi? C'est la même chose. Hein. C'est ce que tu as dit, Virgile. Vigile. Voilà, c'est vigile. Ça. Vigile. Les anciens, c'est la répète, vie. Gagne. Répète après moi. Vie. Vigile. C'est pas Virgile. Virgile, c'est un prénom. Hein. C'est un prénom. Ah, d'accord. Vigile. Vigile. Maintenant, il y a vigilance dedans. Vigilance dedans. Deuxièmement, aujourd'hui, on va se demander, ceux qui font proverbe là-haut, ils connaissaient Côte d'Ivoire ou bien ils ne connaissaient pas Côte d'Ivoire. Le problème là, ça s'adapte à tout le monde. Mais c'est par rapport aux expériences. Où est-ce qu'ils nous envoient? C'est par rapport au vécu, aux expériences. Donc quand on dit après la pluie, c'est le beau temps là. C'est proverbe ou bien c'est annonce? Les deux. Les deux, proverbe et puis annonce. Après si la pluie, si c'est en météo, c'est annonce. Si c'est dans la vie, c'est proverbe. Mais celui qui a donné proverbe là, il ne connaît pas comment c'est. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi? Parce que quand il y a la pluie, eux, ils n'ont pas beau temps. Mais on dit après la pluie, le beau c'est temps. C'est la beau temps qui a été. Tu ne peux après pas sortir la pluie, de la maison, la pluie est partie. Ah, comment si quand il pleut, après la pluie, on ne peut pas sortir ouais, ça? Et puis le bassin gros du versant aussi. C'est où ça? Aux deux plateaux là? Voilà, tu vois, nos deux. Oui. Voilà, car il faut un dîner. Et là-bas, il n'y a pas beau temps. Pou, 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 pou. Ah ouais. Le gars qui a fait même proverbe, on n'est jamais passé par là-bas. Là. Non, mais avant le proverbe existe bien avant ce problème-là. Ah, le proverbe existe bien avant ce problème-là. Avant, Koumassi n'était pas comme ça, l'indénier n'était pas comme ça. Mais pourquoi? Donc, maintenant, là. Donc, il doit mettre après la pluie, c'est le beau temps, mais donc, ça dépend. Ça dépend. Après la pluie, ça dépend. Ça dépend. Le beau temps, ça dépend. Ça dépend du quartier. Ça dépend du quartier. Donc, le beau temps demain, Boaké, échelle, pluie. Encore. Messieurs, dames de l'Académie française, chers. Comment on les appelle les. Académiciens. Non. C'est académiciens. Non, ils ont un nom là. Ça, il faut mettre. Les éternels, je sais pas quoi. Là, Académiciens, non. C'est les nigniris, les Koutouan Nacho. De l'Académie française. L'Académie française. Ça, c'est non, oh là. Ah, quand on dit Académie, nous, Académie on va française, hein. Pas Académie de football, l'Académie française. Ceux qui décident comment on parle le français. Tu n'as pas gêné, vu que tu blagues les gens. Quand on dit Académie, c'est football, tout le monde connaît l'Académie. L'Académie française, les Marguerite Yourcenar, la première femme, la première femme de l'Académie française. L'Académie, la femme. Oui, une femme, la première femme, Marguerite Yourcenar. C'est pas possible. Maintenant. Ah, tu crois que c'est. Ah, je n'ai pas osé. Pourquoi on dit maintenant? Il dit non, on dit maintenant. On dit maintenant. Non, on est pressé en Côte d'Ivoire. Maintenant. Les filles, pendant tout le mois de jeûne, tu as ton ami, il est musulman. Il a jeûné. Tu n'as même pas payé Ignan. Tu n'as pas envoyé bouillie, tu n'as pas envoyé sucre. C'est aujourd'hui la fête, tu envoies un message pour dire non, tu veux l'argent pour payer bazin. Tu as quelle intention? Même quand tu veux racketter, il faut respecter ton racketage. Il faut respecter ton raquettement même. Les Nessie, là. Quand même. Franchement. Pendant le jeûne, on ne vous a pas vu. Quand tu parles un peu, même quand tu dis non, même tu veux un front. Non, c'est le mois de jeûne, il n'y a pas de front. Mais là, comment tu peux demander de l'argent de Pazé? Toi, tu n'es pas musulmane. Ah, c'est ça, là. C'est pas vol à main à main. Non, mais ça dépend. De quoi? De vos rapports. Hein? De votre lien. C'est à cause des liens, là, tu n'as pas gêné, tu ne m'as pas envoyé bouillie, tu n'as pas envoyé sucre. Moi, j'ai payé bazin pour toi. La suite, mesdames et messieurs, de cet épisode de racketage, tout juste après le journal. Vous êtes à Matin Bonheur, merci d'être avec nous. Hamza Diaby est là. Justement, juste après ce journal, là, il va aller célébrer vraiment le jeûne qu'il a observé pendant les 30 jours, avec plus 6 affinités. À tout à l'heure.